Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on est vendredi 16 février, il est 10h30 on va dire. Je viens de m'octroyer une petite session de lecture et comme j'ai fini mon chapitre, je me suis dit que j'allais en profiter pour introduire le vlog. Je suis fatiguée, je suis très fatiguée. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis dans ma mauvaise période et je suis si fatiguée. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus je suis fatiguée pendant ces mauvaises périodes-là. C'est un truc de dingue. Et je crois que je vous en parlais un petit peu cet été. J'ai énormément mal aux jambes. Alors ça ne le fait pas à chaque fois. Mais là en tout cas, depuis hier matin, j'ai très 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 mal aux jambes. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai toujours pas pris mon cachet pour la circulation. J'ai eu des cachets pour la circulation. Et j'essaye en fait de les prendre là en ce moment pour essayer d'améliorer les choses. Surtout que voilà, quand je suis à la boutique, je suis quand même 5 heures debout non-stop. Donc, c'est pas forcément évident. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Et bien évidemment, je suis allée quelques fois chez le médecin. Et je n'y pense pas puisque ça n'arrive que pendant ces périodes-là. Et donc quand je ne suis pas dans cette période, eh ben je n'y pense pas. Et donc voilà, bref. Bref. Niveau topo vernis, j'ai fait mon vernis ce matin. Normalement j'ai un petit peu filmé ça. Peut-être que je vous le montrerai pas parce que ça rendra pas bien. Je suis un peu déçue de la couleur. En vidéo ça fait super bien. Mais par contre en vrai... c'est fort foncé, c'était le bordeaux, mais c'est plus foncé que ce que je pensais. Et en même temps, du coup, il se met pas super bien. Donc, il y a des zones qui sont vachement plus foncées que d'autres. Donc, c'est pas fou, mais en tout cas, je suis quand même contente de la texture parce que c'est très, très chouette. Et la semaine dernière, je vous faisais un topo en vous disant que ça faisait 10 jours qu'il tenait et que c'est la couleur que j'aurais envie de changer. Et en fait, il a tenu... 11 jours je crois parce qu'il y a un tout petit bout qui s'est raccroché dans un de mes pulls qui a fait sauter un petit coin et à partir de ce moment là j'ai commencé à gratter un peu partout et j'ai décidé de le retirer parce que je trouve que ça fait plus beau quand il y a des petites zones qui sont parties. Mais en tout cas j'étais très très contente, j'ai un peu galéré à le retirer mais c'était la première fois donc du coup bah c'est vrai que j'ai un petit peu... testé des trucs et tout, mais là je pense que j'ai le bon truc. Là à mon avis je pense que je vais le laisser une semaine et je le referai la semaine prochaine parce que en termes de couleur je suis pas si fan que ça, je sais pas si ça se voit, mais il y a des zones qui sont plus foncées que d'autres. Bref, mais sinon ouais, trop contente de la texture et trop contente du fait que, à part la repousse de l'ongle, vraiment il s'écaille pas quoi, et ça c'est trop trop agréable. Ensuite, petit topo série, parce que j'avance quand même pas mal du tout. Hier, j'ai repris, avant-hier d'ailleurs, j'ai repris Heartland. Enfin, je vous avais dit que j'étais dans la saison 13, c'est toujours le cas. Il me reste plus que deux épisodes. Hier, j'ai regardé deux épisodes fil à la file pendant que je mangeais le midi, parce que j'adore la situation qui se passe avec Georgie et Quinn, du coup. Et je sais pas, j'aime beaucoup l'intensité qu'il y a entre les deux personnages. Je sais pas, dans la façon dont ils se regardent, dont les acteurs jouent. J'adore trop leur relation, ça me fait des frissons de vous en parler. Et en plus là, bon voilà, il y a un petit côté dramatique qui se passe. Donc voilà, j'ai très envie de finir la saison 13 comme ça. Ça c'est fait. Niveau The Original, je suis toujours dans la saison 1. Je peux pas trop vous dire à quel épisode je suis. Je pense que je suis à 12 ou 13. Je vous remettrai là où est-ce que j'en suis. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est toujours sur le... tel personnage trahit un autre. Il se fait réprimander. Ensuite, il y a un pardon. Ensuite, il se repasse un truc. Ensuite, quelqu'un d'autre trahit. Et machin, et truc. Et ça n'en finit pas. Et c'est le côté... Vampire Diaries et le côté The Original je pense, mais j'aime toujours beaucoup le personnage de Elijah. J'aime beaucoup Rebecca, je l'aimais pas trop dans Vampire Diaries, le peu que je l'avais vu d'ailleurs, parce que je me suis arrêtée quand même assez tôt, je crois que j'ai fait que 3 saisons, 3 ou 4 saisons, peut-être que 3 saisons, et voilà, j'aime quand même beaucoup son personnage. J'adore Marcel, parce que en plus
C'est un beau gosse pur et dur, donc franchement j'adore Marcel. Et non, en fait, voilà, c'est assez chouette. Le côté qui m'a trop surpris et j'étais étonnée au même titre que tous les personnages, c'est ce qui se passe avec Davina. Franchement, j'y croyais jusqu'au bout. Et j'étais trop choquée que ça se passe. Donc franchement, on va dire que c'est pas incroyable, mais je suis quand même contente parce que voilà, c'est très distrayant, il y a un côté très addictif quand même, et voilà, j'aime quand même bien le côté vampire, loup-garou, sorcière, tout ça, tout ça, tout ce qui se met en place, et voilà, c'est assez chouette. Donc voilà, niveau série, je pense que je me remettrai dans Paul Dark après Earthland, peut-être après Earthland et après la saison 1 de The Original pour refaire un petit, une petite cassure, en sachant que Paul Dark, je crois que c'est des saisons à 8 ou 10 épisodes, bon même s'ils sont très longs, ça peut aller quand même globalement vite. Donc je pense que je ferai peut-être ça pendant les vacances, qui ne sont pas mes vacances d'ailleurs, juste les vacances scolaires qui commencent ce soir d'ailleurs. Donc voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai commencé lundi Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Donc je découvre cet auteur. Il n'y a pas du tout le côté addictif que j'avais dans la saga d'Oren juste avant, dans Le Pont des Tempêtes, tout ça, c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout la même ambiance et la même addiction, mais j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant. Le style est très chouette et c'est surtout que ça me fait énormément penser à Spiritfarer. Donc clairement, je vous dis, j'ai trop envie de jouer. Mais je n'ai pas le temps, donc voilà, je ne jouerai pas à Spiritfarer, en tout cas pas maintenant. Peut-être les 3 jours où je serai toute seule, où mon chéri et ma petite chérie iront chez papy mamie. Peut-être que j'en profiterai pour jouer un petit peu, je sais pas trop, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien le style, j'ai pas le côté addictif, et en plus, comme je suis explosée de fatigue, clairement, je ne lis quasiment pas le soir. Hier, je me suis mise dans le lit. Il était 21h10, je crois. J'ai dû lire 4 pages. Je me suis endormie sur ma liseuse. Je me suis réveillée à 1h10, je crois, quand mon chéri est venu se coucher. J'avais encore la lumière allumée, tout ça, je m'étais pas brossé les dents. Donc voilà, je me suis relevée à 1h10 pour me brosser les dents, tout ça, tout ça. Et puis il y a eu le réveil de 4 heures, je crois, pour aller faire pipi. Enfin, pour que ma petite chérie aille faire pipi, du coup j'en ai profité aussi. Et puis le réveil de 6h15 où voilà, à partir de 6h15, bah, toutes les 10 minutes je suis appelée, donc clairement je ne dors pas plus tard que 6h15. Donc voilà, je repense nostalgiquement à ces moments où 7h le matin c'était déjà très tôt. En fait, c'était une grosse matinée, donc voilà. Sinon, qui dit 16 février dit que j'ai réussi à survivre au 14 février, donc à la Saint-Valentin. On a eu plein, 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 plein de monde. C'était chouette. J'ai passé une bonne journée. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que c'était si long, par contre. On a eu plein de monde toute l'après-midi. On était tous les quatre ensemble. Donc en soi, ça passe vite quand il y a du monde et quand on est là pour discuter et tout. Et là, je sais pas pourquoi. Je trouvais que le temps ne passait pas. C'était terrible. Mais on a fait une très bonne journée, j'étais très contente. Et j'ai eu mon deuxième pourboire, donc je suis contente. Comme je vous disais, en fait, la reconnaissance qu'on a, même sans parler des pourboires, mais les gens, ils sont tellement contents qu'on soit souriants, qu'on les aide à trouver du chocolat. Mais je trouve ça dingue, mais voilà, bref, bref, bref. J'ai survécu à la Saint-Valentin. J'ai enchaîné avec la Zumba, puisqu'on était mercredi soir. Et comme j'y avais pas été la semaine dernière, bah, j'en ai profité quand même. Et on ne fait jamais rien avec mon chéri à la Saint-Valentin. Là, on avait fait un repas, enfin notre fameux repas de Saint-Valentin. On l'avait fait le midi, du coup. Puis voilà, en fait. Donc voilà, niveau prêt pour l'achat de la maison, tout ça, il n'y a pas trop de nouveautés. On a envoyé notre préavis pour l'appartement. Donc ça, c'est fait. J'ai inscrit ma petite chérie
à la maternelle pour septembre. Ça me fait trop bizarre. En même temps, on parle de l'école tous les jours. Elle nous dit tous les jours qu'elle fait semblant d'aller à l'école. Ensuite, elle nous dit bien que c'est en septembre qu'elle va à l'école pour de vrai et tout. Mais c'est dingue de savoir qu'elle va y aller. D'un autre côté, c'est tellement logique parce que quand je la vois, elle va trop se plaire à l'école. En tout cas, j'espère qu'elle aura des bonnes maîtresses. C'est le côté un petit peu... Enfin, j'imagine que chaque parent a envie que ses enfants aient des bonnes maîtresses, avec des bonnes méthodes, des bonnes façons de faire. Mais c'est vrai qu'en étant enseignante, je sais les choses qui sont bien, entre guillemets, et les choses qui sont moins bien. Je sais ce que j'aimerais pour elles. Et je sais aussi que on est des êtres humains et qu'il y a certaines fois où on peut pas faire, ça peut pas être parfait tout le temps. Et voilà, donc j'espère vraiment qu'elle aura une bonne maîtresse ou un bon maître d'ailleurs, peu importe. Donc voilà, mais les choses avancent et voilà. Et sinon, topo genou, j'ai eu mon rendez-vous chez le podologue lundi, du coup, et je vais avoir des semelles dans une semaine, je pense, à peu près, parce qu'il a confirmé que effectivement j'avais bien ma jambe gauche qui était un peu plus longue que la droite. Donc il m'a bien expliqué que c'était normal, hein, que tout le monde avait une jambe un peu plus grande que l'autre, mais il m'a expliqué qu'entre 0 et 5 mm, le corps compensait et ça allait, mais que quand ça dépassait 5 mm, le corps compense toujours. C'est juste qu'il va compenser un peu plus et du coup, ça peut engendrer effectivement les douleurs au genou. En sachant que, donc il m'a expliqué, il m'a montré, quand on a les pieds serrés et les chevilles qui se frôlent, normalement, vous pourrez essayer, vous devez avoir vos genoux qui sont quasiment en train de se frôler. Et les miens, ils ne se frôlent pas du tout. Il y a un bel espace entre mes genoux. Donc voilà, il m'expliquait que voilà, on allait faire des semelles qui allaient permettre de réguler un petit peu ça. Parce que voilà, comme il dit, et c'est pour ça aussi que je voulais régler le souci maintenant, la machine ne va pas en s'améliorant avec l'âge. Et donc si on commence déjà à cet âge-là à avoir des douleurs, et bah plus vieux, ce sera bien pire, hein. Donc c'est mieux de commencer à régler les soucis maintenant pour essayer de faire durer la machine le plus longtemps possible. Donc voilà, je suis très contente. En parallèle, j'ai reçu mon rendez-vous pour l'IRM au mois d'avril. C'était abusé et je trouve ça complètement stupide comme façon de faire les rendez-vous. Du coup, j'ai appelé pour dire que je ne pouvais pas me rendre au rendez-vous à cette heure-là et ce jour-là, donc qu'on annulait. Et en fait, je vais attendre de savoir si les semelles, ça règle le souci avant de faire l'IRM parce que... Déjà, j'ai pas forcément le budget pour payer une IRM et en plus, ça me gonfle tellement le côté rendez-vous qu'on envoie juste un mail sans recommandation d'horaire et de jour, hein, et il nous renvoie un courrier postal pour qu'on ait le rendez-vous et après il faut le décommander ou pas si ça convient pas. Enfin, je trouve ça complètement stupide. Donc voilà. Et puis voilà en fait, tout simplement. Donc je voulais juste introduire le vlog ici. Et puis voilà en fait. Ah si, je participe au challenge Romantésie d'ailleurs, c'est la vidéo que je vous ai postée hier pour moi et jeudi dernier pour vous. Je n'ai du coup toujours pas commencé le challenge puisque je suis toujours dans Sous la porte qui chuchote. Et je pense que je n'arriverai pas à le terminer d'ici la fin de la semaine parce que je ne peux plus lire au boulot avec la Saint-Valentin, avec les préparations de Pâques, tout ça, tout ça. Je ne peux plus lire, donc voilà. Et bah le matin commence très tôt. À part là, les moments où je ne vais pas travailler tout de suite et où je suis tranquille à la maison, bah je peux pas lire. Donc là, je peux lire, j'en profite un petit peu d'ailleurs. Mais au boulot, je ne peux plus lire. Le soir, quand je rentre, je suis trop fatiguée, donc je n'arrive plus à lire. Donc j'avance comme un escargot. Donc c'est pour ça que là, j'ai fini mon chapitre d'hier. J'en ai relu un deuxième et je vais essayer là ce matin d'en lire encore deux. Ce serait assez chouette et puis j'ai quand même bien envie de voir la suite des événements. J'ai envie de voir comment Wallace va réussir à accepter sa condition de mort ou pas. Et puis voilà en fait. Donc je vous laisse là-dessus.
Je vous reprends très certainement plus tard, je ne sais pas quand, mais en tout cas, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends. On est dimanche 18 février, il est 17h et je voulais clôturer le vlog. Ma petite chérie n'a pas fait de sieste cet après-midi. Là, elle est en train de bidouiller ses petits trucs, tranquillou. Donc je me dis que c'est totalement l'occasion. Donc je vais pas m'étaler en long, en large et en travers, mais globalement j'ai passé une plutôt bonne semaine, très fatigante comme je vous disais. D'ailleurs moi j'ai fait la sieste cet après-midi et ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs j'ai le maquillage qui a coulé de la sieste. Je me suis quand même recoiffée vite fait, mais bon j'ai les cheveux sales et j'ai mis du rouge à lèvres histoire de dire. Mais globalement on est sur voilà, une tête de dimanche en fin de journée, donc voilà. Petit topo sur Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Je suis à 35% de lecture, donc mon objectif de le terminer aujourd'hui, c'est mort. Bien évidemment, je n'ai pratiquement pas lu du week-end. Vendredi soir, j'ai pas dû lire non plus. Donc en fait, j'avance très très lentement, mais c'est plutôt sympathique. Le seul petit bémol que je pourrais mettre, et encore, hein, c'est pas vraiment un bémol, c'est que c'est lent. C'est vraiment une histoire qui s'écoule sans qu'il y ait vraiment trop de péripéties. Et du coup, c'est un récit qui est vraiment très lent et ça ne me procure pas de la frénésie de lecture. Et donc, si j'avance pas très vite, eh ben, j'avance pas très vite. Mais en termes de productivité, de challenge en cours, tout ça, on n'est pas au top. Donc bon, c'est tout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. J'aime beaucoup l'évolution du personnage de Wallace. J'aime beaucoup aussi ce qu'on commence à apprendre des personnages, de la façon dont la mort est gérée, entre guillemets, et des petites choses qu'on pourrait penser, ou des petites... y a des petites phrases, des petites réflexions de certains personnages, et je me dis, mais oui, en fait, totalement, c'est des réflexions que j'ai jamais eues, mais en fait, oui, totalement, et je trouve ça assez chouette. Donc voilà, niveau lecture. Sinon, bon, on a passé un très bon week-end en fait. Je ne travaillais pas ce week-end donc c'était cool. On a fait plein de sorties. On a racheté une parure de lit pour notre fille parce que voilà, avoir deux parures de lit c'est quand même plutôt chouette. Et voilà, en fait, elle était très contente. Et puis bon bah là j'ai ma maison qui est dans un état lamentable. Donc je pense que juste après je vais aller mettre tous les petits bouts de vidéo. Parce qu'il doit y avoir encore 2-3 petits bouts qui manquent sur mon ordi. Donc je vais aller mettre ça sur l'ordi. Je vais aller ranger ma maison, tout ça. On ira peut-être un tout petit peu dehors pendant qu'il fait encore jour. Histoire de s'aérer un petit peu. Voilà, j'ai pas tant de trucs que ça à vous dire. Le quotidien, le linge. D'ailleurs, je vais vous insérer ici l'état de mon lit. Parce que là, ça fait genre, ah ouais, là, sa chambre qui est à peu près rangée. Son plaid qui est bien mis sur le lit et tout. Je vais vous montrer en fait ce que c'est vraiment derrière moi. Donc je vais m'occuper de tout ça. Et puis, si... Niveau série, je vous disais que j'allais bientôt finir la saison 13 de Heartland pour être tranquille. Et ben j'ai fini la saison 13 de Heartland, c'était incroyable. Et du coup j'ai trop envie de regarder la 14. Je vais bien évidemment pas regarder la 14 tout de suite, mais j'ai trop envie, trop envie. Donc stratégiquement c'était pas foufou, mais bon, je suis très très contente d'avoir regardé la saison 13. Je pense que pendant les 3 jours où je serai toute seule, au final ça fait que 2 jours et demi, mais bon, en gros les 2 soirées où je serai toute seule, je pense que je vais me mettre à The Witcher saison 2, puisque mon chéri ne veut vraiment pas regarder avec moi, et potentiellement il n'y a peut-être pas tant d'épisodes que ça. Faut que je me refasse un résumé spoilant de la saison 1, parce que ça commence à trop dater. Oui, ça date vraiment tellement qu'on était dans l'appartement. Et on a eu une maison et un autre appartement entre temps, donc ça fait vraiment très longtemps. Et puis Louise de Rêve ta vie en lecteur a sorti sa vidéo explicative sur le challenge qu'elle a créé pour le mois de mars. Bien évidemment je vais y participer, bien évidemment ça fait challenge sur challenge sur challenge, donc je pense que ça va être une année challenge, en sachant que là je ne lis plus trop, donc c'est pas forcément un bon mood, surtout que le challenge romantasy
a commencé il y a 3 jours pour moi et clairement en fait je n'ai pas commencé. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais voilà. Donc je vous prépare une pile à lire pour dans pas longtemps, je pense. Sans doute courant mars. Là, je vais essayer de finir sous la porte qui chuchote avant jeudi pour pouvoir vous faire un update lecture cette semaine et pour pouvoir voilà intercaler un petit peu les vidéos pour éviter que ça fasse pile à lire et puis après pas d'update pendant 3 semaines. Donc je vais essayer de faire ça, je vais essayer de me motiver ce soir, je vais essayer d'être performante et voilà. Donc je vais faire ça et puis voilà. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!